Ah, ah on voilà. Hey, on voit, c'est pas sec. Ah non, c'est un bout de bois. Non, c'est un bout de bois. Ah oui, il est trop beau. Yes. C'est quoi une autre? Capybara. Hein? Capybara. Il est où? Dans les fermes. Imagine un servion, là, il va sortir de l'eau, là, c'est terrible. Il est encore là-bas, dans l'eau. Regarde, regarde, recule. Il est encore de l'eau. Là, il va aller sortir. Regardez la taille du bétio, il va sortir. Oh là là. Ah ouais. Il est beau. Allez, je laisse là. Reste dessus, reste dessus. Vas-y, vas-y, allume, 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 allume. 65 kilos, mais le record ça a été au Pérou, 92 kilos. Merde, j'avais tout à l'heure, je ne vois plus. Il est où? Éclair. Stop, stop, stop. Ah, t'es... Tu donnes maman. Bonjour, lunettes. Je sais pas, on n'a pas vu. Ah, c'est pas facile, le reportage à l'envers. Ah, mais je suis pas encore prête. Il faudrait c'est avoir c'est la grosse grosse torche sur le truc là. Tu sais, en même temps que tu allumes ton appareil. Oui, mais ça leur ferait peur, ils partiraient. Non. Non, juste au moment où tu cliques, tu fais là, là, ça. Ah là. Where? Sinon, tu vas se couler. Tu peux bouger le bateau. Oui, mais tu peux pas. Ouais, mais tu peux pas arrêter le bateau. Vraiment pas, là. Salut mon gars, ça va? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah putain, il arrive pas. T'es en manuel là? Ça, c'est la taille moyenne. Oui, mec. Moyenne. Il va pas t'embêter. Il joue la stature en fait. Hein. Ici, j'en ai une qui peut être au Ah ouais, il est bien là. Eh, hey, t'as pas. Mais parce qu'il fait semblant. Il fait semblant de d'être pas là. Ouais, j'en ai quelques-unes. Donc le moteur, le bleu, je sais pas. Celui-là. Ouais, c'est pas chance. Celui-là. Il est sur-souris, ça. Celui-là. C'est quoi le truc? Ouais, c'est pas trop mal, mais les pipards sont fous quand même. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Non, je sais pas, j'ai il était où? Là, il y en a un là. Où, y en a un là. Je présente. Hein. Là. Il est parti là. Mais je déconne, je déconne. Il est là. Attends, on voit, putain, il va. C'est en mode manuel là? Ouais. Oui, il a une petite dent là qui. Je peux le toucher? Non. Je sais pas trop près. Putain, il a peur du flash. C'est pas une star. Avec tous les flashs que vous lui avez mis, je pense que. Vous êtes flashé. Faut monter dans les ISO en fait. T'es monté dans les ISO là? Ah ouais, écoutez. Oh, t'es monté dans quoi? T'as mis combien dans les ISO? Flashé, là. Un bloc, hein. 1600? Ah ouais. Non, j'avais pas, j'étais pas monté là dans les ISO. Hein. Vous montez à combien vos appareils? À 1600. 1600. Là, je suis à bloc 122. Eh mais arrête, mais même là où je regarde pas ton appareil, tu m'as flashé. Et après vous serez bien content d'avoir la photo. Hein. Regarde. Donc, genre, T'es tout flouté. Là, il faut trouver le bon réglage. Ouais, mais rien ne vaut. Nous sommes à la recherche de Karine. Alors, Crocodile Magazine. Non, mais présente-toi avant. C'est Indiana Jones. Indiana Jones for Crocodile non, Magazine. Indiana Jones. Jaune. Ouais. Avec Crocodile Dundee. Vous m'en
Eh oui, c'est moi. Ah oui. Bim, bim. Il y en a deux. Non, il y en a trois. On va tous bouffer. Il y en a trois. Il y en a un autre là-bas à droite. Il y en a un petit. Allez, allumez. Il y en a d'autres derrière. Il y en a plein. Comment on... 1, 2, 3, il y en a au moins 3 là. Comment on zoome? Il va super bien manger demain. Hey. Il y a un petit bouton sur le côté là. Indiana jaune. Ouais. J'ai trouvé le zoom. Mais je vois rien là, bordel. Ouais, mais non, mais je vois rien dans la caméra. Ouais, mais je sais, mais regarde. Ouais. Je vois rien là-dedans. Caméra Lyon. Vous éclairez là ? Indiana jaune. Indiana jaune qui se plaint des moustiques. Il y a tout qui là. Putain, l'aventurier. L'aventurier. Indiana jaune. Vas-y, Matt, continue. Je suis pas dans le bon axe là. Les films et bestioles, t'as envie de déconner. Ils sont tout près là encore ? Ouais. Ouais, il y en a trois là. Il y a la mère ou le père, je sais pas. Il y en a un autre là. Steve. Il y en a deux là. Là, on a attaqué par les moustiques. Et puis t'as le gros qui est là-bas à droite. Steven Spielberg, en direct de. Je pense pas, non. Le marais de Pau. Les packs, c'est plus des trucs terrestres. Ouais. À chaque fois, le raso, c'est pour choper du poisson. Et éclairé là. Je vais essayer de les choper. Éclair. Donc en fait, elle s'accroche à tes cheveux que si tu sens le poisson. Ah, mais il y en a maintenant devant là-bas. Restez devant, j'essaie de vous rapprocher des deux gros là-bas. Il faut pas être le dernier sur les petits là et je vais essayer de. Indiana jaune. En direct. À droite. En direct de Co. Il y a The Cool Team. Et là, on est au cœur de l'actualité. Ben, j'essaye de choper une chauve-souris. Oh, putain. Mon crocodilus. Et pas pour rien, si vous avez déjà vu des crocodiles un peu, c'est exactement les mêmes couleurs. Le seul changement qu'on va savoir au niveau des écailles, c'est que chez le crocodile, au lieu d'avoir des petites rayures noires, ce sera plutôt des points. D'accord ? Et sinon, il existe 4 espèces de caïmans guyane. Donc la plus grande espèce, c'est le caïman noir. Vous écoutez tous derrière, ce que je ne vais pas répéter après. D'accord ? Donc la plus grande espèce, c'est le caïman noir qui est répertorié dans nos livres à environ 6 mètres de long. Donc je vous ai dit, après cet après-midi, qu'ils sont tombés sur un spécimen un peu plus gros sur la mare au caïman là-bas. Vous avez vu le reportage à la maison de la réserve. D'accord. Donc après, la deuxième grande espèce, c'est ça, le caïman lunette. Donc lui qui est répertorié dans nos livres à environ 2,50 m, 2,70 m. Et là, ça va être vraiment la taille moyenne. Parce que ici, sur les marais, j'ai déjà vu du 3 mètres comme ça. Et sinon, au Pantanal, au Brésil, il y a du 4 mètres qui a été observé. D'accord ? Chez le lunette. Après, la troisième espèce qu'on pourra rencontrer entre le débarcadère et le garbé, là, ça va être le caïman rouge. Et là, dans les crocodiliens, non pas le terme crocodilien pour tous les alligators, enfin tous les crocodiliens, comme on dit. Donc dans les crocodiliens, il existe deux crocodiliens nés au monde. Donc le crocodile nain d'Afrique, et après notre caïman rouge ici, donc qui lui peut atteindre les tailles que de 1,80 m au maximum. D'accord ? La quatrième et dernière espèce, ça va être le caïman gris. Et lui, c'est vraiment en crique forestière. Ou si vous avez des témoignages de quelqu'un qui a vu un caïman en forêt par terre, ça peut être un caïman gris. Et lui, il peut monter environ 2,50 m. Et puis bon, plus connu en Guyane comme caïman roche. D'accord ? Là, il est préféré ou pas ? Non, ça va. Chez le lunette, bon, c'est vrai qu'il là, il peut clapper bien. Ouais, il a la tête, là, c'est un but de mètre facile. Hein. Il va être pris, oui, il se débat plus. Parce qu'il est en position. Il n'a pas la tête là, c'est bon. Le reste, vous pouvez. Et donc, malheureusement. On met nos mains devant par contre. Ouais. Donc, après, quand on. Si je tire un peu sur le côté, vous allez voir, ça s'ouvre un peu, non ? Sur le côté même carrément. Ouais, ici, ouais. Ah, d'accord. Alors, regarde, tu vois un peu. Voilà. Donc, ça, c'est le palome qui va parquer vers le haut pour attraper ses proies et autres. Je commence à avoir une crampe au doigt là. dis-nous quel est ton doigt. Ouais, non, mais ouais, donc après, les systèmes nasaux qui se ferment dès que c'est au contact avec l'eau. Hein. Et puis la double paupière. La double paupière. Hop, ça c'est génial. D'accord, ouais. C'est la classe. Ça. Ouais. Hop. Faut juste.
C'est excellent, ça ferme. Non. Ouais. Les tympans là, protégés par une écaille. Je sais pas si ça existe après les larmes de crocodile. Non, c'est le coussin. C'est le coussin qui a fait. C'est le stress. En fait, je sens plus mes pulsations cardiaques que la tienne. Hein. C'est vrai? Ouais. Bon, non, mais. Tu le tiens, quoi. Si le bouge, tu serras un peu plus. Ouais, c'est ça, en fait, tu sais jamais. Il est pas content, tu le rejettes dans l'eau. Non, ben là, il est comme dans le bateau. C'est ouf, c'est ouf. Faut l'éclairer, par contre, parce que pour la caméra. Ah, mais si je l'éclaire en plein visage, j'ai pas trop envie non plus. Comme ça. La bague, voilà, avec toute la main. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Eh, Indiana Jaune! Un petit sourire à la caméra, elle est de ce côté. Hein. Ouais, c'est bon. Bah. Ouais, non, mais des stress. Il y a des photos. Hein. Des stress. Hein. Ça flash. C'est clair que là, les fesses, elles sont serrées. Hein. Mets le flash. Appuie sur le côté. Et on lui fait le jingle. Il est gentil, hein, il se laisse bien faire. Est-ce que je fais toute la bobine? Ouais, vas-y. Chez les lunettes, c'est vraiment un spécimen qui n'est pas du tout. J'aime pas la sensation des trucs. C'est vrai? Ça rappelle un sac en fait. Ah ouais? Oh. Oh. Mais c'est vrai, non, c'est le seul bout d'expérience que j'avais en fait. Un sac ou autre chose? Un sac ou autre chose. Tu es en train de casser. Non, c'est mal. Bon non, là là là. Allez Julien. Ouais. C'est marrant parce que c'est tranquille. Oh ouais, il est pas précis.